conducteur de la fraise, un homme très charmant, constate que notre équipe commence à se compliquer tout doucement. Il nous demande de d'attacher la luge derrière son chasse-neige. Ceci, naturellement, nous permet d'avancer avec beaucoup plus de facilité. Derrière nous, un grand camion équipé d'un chasse-neige également, dont le chauffeur semble un peu excité. Et comme les radioaventeurs sont tous des gens indisciplinés, nous avons obtempéré et sommes partis d'un pied. La partie la plus dure vient d'être amorcée. Quelques membres de l'équipage accusent déjà une certaine fatigue. Une chute involontaire des tracteurs du traîneau. Le matériel, heureusement, n'a subi aucun dégât. Dummelini, wir sehen schon spät. Voici l'arrivée à la ferme auberge, 6 heures de montée. On est en train de déchausser. Vous voyez l'allure, FHM, bien dans les genoux. Bon voilà, après 6 heures d'effort, nous voilà bien réunis ici, hein, en train de casser la croûte, c'est-à-dire la voilà, il y a le commissaire au compte là, FHM, qui précise bien que c'est pas la caisse du REF qui paye, mais ce sont les amis qui participent à l'expédition, Hachi, 3 fois. Voilà, vous voyez là-bas un FJL, des WH, F1 CO double, qui a souffert, malgré la neige, comme vous pouvez voir là sur le film, qui dépasse parfois entre 4 et 5 mètres. Nous sommes arrivés ici au Rotapruna. Après ce rapide gastro que nous allons prendre, nous allons faire, c'est-à-dire accéder au sommet, la dernière étape. Et ce soir, notre relais 70 cm sera QRV. Opération sauvetage. Équipe de secours en montagne en train de récupérer des cadavres. Ja, das ist auch. Das ist auch. Ja, das ist auch. Ja, das ist auch. Ja, das ist auch.
Jetzt gehen wir langsam in die Luft schleppen, aufs Auto schleppen. Achtung, du kommst mit rein. Du kommst mit rein. Falsch. Problem. À l'arrivée au sommet, nous avons trouvé la porte d'entrée bloquée par la glace. Comme c'était le cas pratiquement tous les dimanches cet hiver. FHM s'est mis à l'œuvre avec un tournevis pour casser la glace. Il n'y a plus d'image, mon vieux, arrête-toi. Hein? Pour les commentaires. Nous constatons l'oubli du duplexeur 432 dans la voiture. Heureusement, l'XYL défense CWX, chaussant les skis pour descendre à la voiture, sac au dos les ramène au sommet. Séchage des cheveux de l'XYL défense CWX, mouillé non pas par la pluie, mais par la transpiration. Schau ja, so den Rucksack nicht drauf hast. Und mein Bauch. Ja, das mich während der Bursche gedacht. Ja, es ist immer noch voll. Merci. Oui. So, und jetzt auch noch durch. André, es ist am Vorplan. Es ist am Gott, Eugen. Voilà. Mikrofon unter der Hand. Ja. Und jetzt der Wort. Clément. Clément, wart. Ich kann ein Foto machen. Ja, kann ich die andere Hand rüber machen? Ja.
Duplexer en service. Bon, nous voilà, il est 20h. Nous voilà de retour à la ferme Auberge. Après 11 heures d'effort. Et c'est au double, comme vous le voyez, avec la grande satisfaction. Parce que le relais F76 UHB fonctionne dans de très bonnes conditions. Bon, encore une étape après le Castro. Il y a encore un petit effort pour regagner les push-pull et retourner au QRA. Voilà, il y a l'OM Raymond là qui est en train de nous filmer. TWH qui fait le... C'est ainsi que s'achève cette soirée familiale, amicale, dramatique et mammifique. Nous admirons notre cher vice-président qui est en train de collationner son dessert et vous assistez à une magnifique bataille de crème fouettée. Voilà, après les efforts du petit ballon, on va soigner un peu le grand ballon. Et Billy 68 qui a changé d'indicatif vous présente ses meilleurs chiffres. À votre santé, messieurs. À la tienne. Ce film restera un souvenir pour la section du REF 68. Il a été réalisé grâce au concours des SWL Raymond, Jean-Rémy F1KHFF et l'ami Armand F1GAR. Nous leur devons un grand merci.